Pietro Paul, Beppo da Bubble. Ye bet your foot that too. Go yabba when papa yoga. That gabber da Bubble. Et là, le tout, il y a un petit yoga tout feu, you know. Petit, you know. Et quoi, je ne vais pas parler par la et puis, petit dé des hommes, si bas. Tu es si bas. Quoi, si bas. Je ne peux pas combiner de la famille, d'un souhait de vous. Et puis, d'où si bas. Petit, c'est ça. Allons-y, vous pas parier par la parier. Pepito, chou. Chou, nous, tu l'as quoi et tu, qu'à toi. Chou, quoi et tu l'as tu, qu'à toi. Qu'au qu'à toi. Et ce n'est pas. Les gens fous. C'est les fous de là. Pourquoi c'est ça pour? J'aime d'abord. Il n'y a pas de tuer, pas de tuer, pas de tuer. Ça ne peut pas faire le pied. Quand le pied, il peut aller voir qu'il y a d'abou bouton. D'abou bouton, il peut se tailler en bois. Il a quoi, ou d'abou. D'appuyer pour, puis il peut en lire pour, bord de pala, bada société d'abord. Un saut. Pour donc pour bien si la bipia gaga de gonga wab yab dam gong gaga bien de m'sa d'abord pour avoir gonga d'or tant si yon va ta bonne de poupa yon sou yon de tressilio pietro. Bon fou. Quoi bien? Quand les pieds, bon, je pas. T'as y'a pas. J'ai toi Emmanuel. Pour battre. T'as beau. T'as beau, bien si, qu'on a mis pour moi. Joseph Taille. Battre, t'as beau, bien si, qu'on a mis pour moi. Wap go a dog wap hap se jeje. Gaga, si pa ha so ba so kala, ba ya bo so pia pu chas. Gato chulopo, bo ha go bi, papa chitwe, e ba dwe. Bo ba ta ya, gaga wap a so po wap si jimpe. E wap si go yo, wap pia pu da chwa. Oui. Je me nomme Chitwen Emmanuel, l'adjoint de mon père, de mon grand frère, celui qui représente notre père actuellement. J'ai 7 enfants. Ma femme se nomme Robert. Puis c'est un garçon qui n'est pas l'enfant de père. Après, j'ai encore épousé une autre femme. Et notre père, il est à côté de moi. Il représente notre père qui est mort actuellement. D'Abou Mode. Tatou. Notre grand-père, il a refusé d'être un notable. Mais c'était un homme très fort dans ce village. Le chef du village a cherché moyen de lui mettre, de lui nommer comme un grand notable. Il a refusé récemment. C'est son fils, Motin, qui est notable dans Bayangam, jusqu'à nos jours. Ma mère s'appelait Zoukam, elle est déjà morte. Avant
de mourir, elle a laissé 5 enfants parce que les autres sont morts. Actuellement, il nous reste 4. Elle avait 2 garçons et 3 filles. La première se nommait Sargour Emilien. Bon, elle a accouché aussi 5 enfants. Oui, 5. La première était John, elle est morte. Deuxième, Trente Hélène, elle est là. Bon, elle s'est mariée chez Tamkapa. Elle a donné 4 enfants. Une fille, 3 garçons. L'autre est mort. Mon mieux Cécile, Zoukou, Micheline, elle a donné 2 enfants. L'un est mort. Il reste une fille, qu'elle a beaucoup d'enfants. Bon. Et mon mieux Cécile, elle a eu 4 enfants. 2 filles et 2 garçons. Le premier de ses enfants, Nenkam Fernand. Deuxième, Yumta Marie, Etagne Joseph. Et Bruce et Jeannette. Bon. Sur les enfants des Nenkam, il nous reste 2. Il y a Etagne Joseph et moi que vous me voyez présent. Gabo Cholo, Bohagobi, Taye Joseph, Moussou Djouba, Yegabo Bapo, Bagataya, Dabwa. Oui, je m'appelle Taye Joseph. Je suis parmi la génération, la dernière génération de cette concession. Je vis actuellement à Douala. Ma maman s'appelait Dzukam, comme mon grand frère vient de le dire tout à l'heure, qui était fille de Tamasubugui. Ava, c'est le nom de son grand-père. Son grand-père même, son père même, s'appelait Djomgué, qui est décédé, nous ne l'avons même pas connu. Le grand-père de celui-là, Motin, il a été tué par les Allemands. Maman, elles étaient 4, 3 garçons et elle qui était l'unique fille. Le dernier a été emporté par les Allemands. Bon, elle s'est mariée à notre feu père, Dabo Motin. Et je suis son dernier-né. Moi-même, j'ai 4 garçons. Et 2 filles. Je suis marié avec Madame Tain Denise, née Nubisitase Denise, la fille de Tatam Tamto à Djogo. Je vis avec elle. Elle est aussi retraitée comme moi. De 2 jours, je vis au village, accompagné de ma chère femme. Lucie Thérèse et mes frères qui n'habitent pas au village, certains sont à Douala, par exemple comme Joseph Tari qui vient de se présenter, je suis au village avec papa Emmanuel Chetouel. Nous étions au début 7 orphelins que le bon Dieu, que notre Père nous a laissés. Actuellement, nous sommes restés à 6. Il y a un qui est mort, comme Saint-Jean, mais tout en laissant 2 filles. Il y a M. Trente Bernard et M. Sigopol.
Il les habite tous deux à Consamba. Frère Bernard se marie. Il est père de plusieurs enfants. Siwa également s'est marié. Il est père de plusieurs enfants. La femme de M. Frère Bernard de Consamba s'appelle Montre Régis. Et celle de M. Paul Siwa s'appelle Magne Odette. Il y a aussi l'un de nos frères qui était professeur d'un lycée à Sa. Actuellement, il vit en retraite. Sa femme s'appelle Monique. Et ils ont plusieurs enfants. Bon, ce sont les hommes que je venais de citer. Actuellement, au point de vue femme, en première position, il y a Maman Sango, qui est morte, mais en laissant plusieurs enfants. Elle était mariée à qui? Son mari s'appelle M. Chetouel. Ensuite, il y a Maman Gumkam. Elle s'était mariée à Baham. Elle n'a pas eu d'enfants. Ensuite, il y a Maman Zekou. Zekou Michelin. Elle est mère de deux enfants. Et elle est mort. Et puis, on avait Maman Gretchen. Elle s'est mariée à Ké, un notable de ce quartier, Wafokamsu. Elle avait une fille. Cette fille est mère de plusieurs enfants. On disait tantôt que notre feu papa, Dabumate, il est mort le 3 juillet 1966, ici à Bayanga, laissant 4 femmes vivantes parce que les autres étaient mortes. Ils sont tous morts. Attends, il a laissé Mapekam Tapé, qui avait donné naissance à Patrick Bernard, qui est en Consamba, à Pajang Amchen, qui est décédé. Maman Kayo. Papa Kayo qui était décédé. Bon. Et après elle, il y avait Ma Kayo, qui était l'une de ses femmes. Elle est décédée elle aussi, mais elle a laissé des enfants. Ma Gertrude, qui était décédée, en laissant une fille. Papa Kalu Pierre, qui est notre représentant actuellement dans la famille. Maman Gouche Madeleine, qui était mariée à Tam Nawe, à Kala, elle a aussi beaucoup d'enfants. Comme Marie, qui est à Douala, elle vient de perdre son époux il y a à peine 4 jours, elle a aussi beaucoup d'enfants. Il y avait une autre femme qui s'appelait Ma Kamsu. Oui. Elle est décédée, laissant Siwo Paul, qui vit en Consamba. Et Jembi était mort. Il y a Ma Boute, qui était décédée même avant papa. Mais elle avait laissé deux enfants. Tumamo, Jacques, qui vit à Sa, a beaucoup d'enfants. Et Sargouk, Justine, qui vit à Yaoundé, elle a aussi beaucoup d'enfants. Le père avait aussi laissé Maman Zoukam, Martine, qui est décédée, je crois en 97. En 95, pour moi, elle avait beaucoup d'enfants. Sargour Emilienne, mariée à Abuja. Soukou Micheline, mariée à Tapoukam, à Baham. Momieux Cécile, mariée à Dalom Chente, à Chetap. Chetouin Emmanuel,
qui venait se présenter tout à l'heure, qui vit ici au village, à votre grand-père, et moi-même, Tanger, qui vous parle. Papa Daboum était notre feu père. Il était grand notable dans le village Bayangam. D'abord, il était Tchinda du feu chef Komel. Feu Komel. Quand celui-ci est décédé, on l'a nommé Dabou de feu Komwenja. Il est resté à ce stade jusqu'au décès de ce chef feu Komel. Donc, lui, il était le gardien des traditions dans ce village Bayangam. Il était grand notable. Il assistait à toutes les réunions des différentes notabilités du village. Donc, le père de son vivant, avec le chef Komel, Komwenja, le chef était celui qui détenait la puissance mystique de ce chef. Et dans le lieu de cérémonie traditionnelle au village, les deux ne pouvaient pas s'asseoir sur des chaises. Ils s'asseyaient sur des troncs de bananiers, les deux. Et c'était un titre honorifique que personne ne pouvait dénier à cela. Notre grand-père, c'est-à-dire le père de notre papa, Tatou Ngamne, était un homme extrêmement puissant, guerrier de son état, comme notre père Dabou était également un guerrier. Nous avons entendu des anciens que Tatou Ngamne traversait même le fleuve Noun à pied. Et ils ne savaient pas nager. Parce qu'à cette époque, rares étaient les Bamileke qui pouvaient même entrer dans l'eau. Mais ils traversaient pieds nus le fleuve jusqu'à l'autre rive. Il était puissant. Il avait refusé le titre de notabilité que le chef supérieur de l'époque voulait lui donner. Il voulait être un homme simple. Ami Michili Zoukou, Shimzeo, je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis Papa, il faut la rendre son vipinko. Papa, quoi comme nous, pas qu'il n'y ait pas de problème. Mais là, c'est un peu comme mal. Coaching. Un congé. Congé pour Jenny. Le cuivre. A chita. Bangi. Et tu congas. Et tu jam. Congas, y'en bawa. Et à mes motets. Comme. J'ai encore mis comme. Et comme. Et un. Et j'ai oué baba en lata, motets. T'as tout, motets. Et un gonga, j'ai motets, motets. Motets. Motets, j'ai pas au bas. Et un. Et un. Et un. Faut qu'on se dise des que tu es. Des que d'abouille. Des tas de que d'abouille. Dans la famille. T'as un chouïe, non? Tu l'as dit, il est un coup. Il est sous ça. Sous le poste, il est cru. Il est cru. Je suis en train de se chier. 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 Je suis en train de se chier.
Le vœu, mon vœu actuellement dans ce petit, dans cette petite conception, c'est que je demande à mes enfants qui n'habitent pas avec nous au village de penser à leur village. Je vous parle au nom de Papa Pierre d'Abomote. Il vous lance ce message. Son vœu le plus cher est qu'il invite tous ses enfants, tous ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, de venir et de construire, d'investir dans cette concession dont il est le détenteur légitime. Il vous invite tous à venir construire ici, dans cette concession, que vous voyez l'étendue, que votre grand frère Pierre a bien voulu prendre par image pour vous montrer. C'est un site qui est situé au sommet des grandes collines de l'Ouest Cameroun. Ce que je souhaiterais que mes enfants le sachent, je voudrais qu'à chaque vacances, qu'on m'envoie les enfants pour passer les vacances. Il faut aussi savoir que chez vous, ce n'est pas ce que vous devez manger dans la matinée ou le soir qui va vous manquer. Chez vous, nous cultivons la pomme de terre, nous cultivons le maïs, nous cultivons la patate, nous cultivons le haricot, nous cultivons les ignames. Il y a l'avocatier chez nous plein. Donc, si vous venez ici, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on va aller payer. Il y a les manguiers. Vous allez venir et puis n'importe qui vient ici en vacances, il va voir avec ses yeux. On ne peut pas parler seulement. Il va voir. Nous vous invitons également à découvrir ce beau village parce que vous ne serez pas très loin de votre façon de vivre en ville. Car il y a l'électricité, il y a la télévision, il y a de l'eau potable, comme on appelé eau de source. L'eau que nous avons bu, nos grands frères ont bu et qui n'a pas changé. De l'eau pure. Et vous trouverez un coin touristique qui s'appelle Kendok, où Dieu a construit des petites citernes dans le sol. Où vous trouverez de l'eau potable en toute saison. Saison sèche, saison de pluie, l'eau est là et c'est potable. Les gens viennent de partout pour recueillir de cette eau, de Yaoundé, de Douala, de Bamsan, ainsi de suite. Ce quartier s'appelle actuellement Djoufa. Un sous-ensemble du quartier Tchela. Ça s'appelait avant Bosse, c'est-à-dire une nouvelle terre, parce qu'elle a été conquise à l'issue de la guerre tribale entre Baham et Bayangam. Et on a envoyé le père avec d'autres hommes puissants du village habiter cette terre qui était nouvellement conquise. Mes chers frères et sœurs, nous serons ravis de vous voir venir au village
votre village, dans notre concession familiale. C'est notre souhait le plus cher. Parce que nous sommes au village, nous n'allons plus nous déplacer pour aller à gauche ou à droite. Nous sommes vieillissants et nous souhaiterions qu'avant de partir au ciel, que nous vous rencontrons. Mes chers enfants, tout ce que moi-même je souhaite, je veux qu'avant d'arriver ici, chacun de vous soit très bien, avec la santé vraiment que je ne sais pas ce que je peux dire. Et que Dieu vous donne toute la chance. Mon souhait étant que le représentant de la famille, c'est que chaque année, qu'il y ait au moins une personne parmi vous qui vienne nous rendre visite au village et voir là où ils sont nés. Que notre seule espérance, c'est qu'ils deviennent les vrais enfants de cette conception. Quand on est en famille, on doit avoir un temps pour se ressembler, pour être ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends.